Bonjour à tous, Luc Leclerc, journaliste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Si vous avez suivi le briefing cette semaine, eh bien vous avez déjà vu ce graphique avec notre canal turquoise haussier. Le rebond qu'il y a eu sur la zone des 1180 depuis reste efficace et on est même revenu jeudi au-dessus de la M20 avec ici, vous voyez également un doji d'hésitation qui vient prendre appui sur la M20, mais qui reste en clôture au-dessus de cette zone, malgré une tentative de retour baissier de la M20. On est même sorti de mon petit canal turquoise, qui vient maintenant, faudra probablement faire zone de support. On revient également sur ces deux zones importantes. Vous voyez, une zone qui était la zone d'hésitation après la bougie d'accélération de la fin juin, qui nous avait fait enfoncer le support des 1327 $. Donc on est vraiment dans cette zone de possible retournement, avec une poursuite de la hausse en direction des 1327 pour un test important de cette zone support et peut-être malheureusement un pullback baissier, mais bon, on n'est pas encore là pour l'instant. En court terme et en intraday, on va plutôt essayer de travailler des impulsions haussières en direction des 1327, sachant ici que la zone de 1300 fera office de résistance, une zone au niveau psychologique et graphique assez importante pour avoir déjà revenu deux séances courant la fin juin, et donc la zone ici de 1300 sera probablement difficile à franchir. Donc au niveau de la tendance baissière, vous voyez qu'elle est en train de se neutraliser légèrement, témoigne les bandes de Bollinger, celle-ci qui se referme et celle-là également. Donc neutralité dans la tendance, avec possibilité d'inversion comme toujours quand la tendance se neutralise. À un moment, il y a une tendance qui reprend et elle peut être inversé ou bien peut-être de poursuite, je veux dire, donc qui poursuit la tendance précédente. Voyons nos indicateurs. Sur le RSI, vous avez tracé également un canal turquoise. Donc vous voyez que le travail qu'on fait dans les bougies ou sur le graphique même est également efficace sur les indicateurs. Vous avez tracé un canal aussi, un canal qui a été respecté toute cette semaine. On est revenu dans la tendance neutre. Pour l'instant, le RSI ne fait pas d'accélération au-dessus des 5 ans, donc la tendance haussière est fragile. Le MACD, lui, est en croisement haussier, repassé au-dessus de son signal, un signal qui se retourne, donc vraiment un support du MACD pour la tendance court terme actuelle. Donc, s'il faudra surveiller pour la semaine prochaine, toujours cette M20, nous avons autour des 1269 $ qui sera un support, et en résistance, la zone de 1300 $ qui sera en résistance. Si on franchit l'une de ces deux bandes, eh bien, on pourra espérer une extension jusqu'au 1327 au niveau de la hausse. Et si malheureusement la M20 ne peut pas revenir le cours et que le cours revient sous les 1260, eh bien on visera maintenant le bas du canal turquoise ici aux alentours des 1240 $. Vous avez les informations pour le début de semaine prochaine. Mon avis est plutôt neutre, je suis désolé, mais j'ai pas pour l'instant pas assez d'informations pour avoir un avis clair sur le moyen terme, mais il semblerait qu'on est plutôt dans une tendance légèrement haussière qui pourrait venir faire un pullback ici sous 1327, donc je dirais 60% haussier et 40% baissier. Voilà, c'était mon avis sur l'or. Pour ne rater plus aucun avis, ni promotion, ni aide à l'investissement, ni formation, tout ça, venez vous inscrire à la mailing list et vous recevrez tout immédiatement dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à bientôt sur le site BelgianInvestor.be.